priez pour nous en particulier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre prédication et que nous puissions annoncer le mystère du Christ. C'est à cause de lui que je suis dans les frères. Obtenez-moi de le publier en parlant comme je veux. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Sachez tirer parti de la période présente. Que votre langage soit toujours aimable, clair d'à propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Parole du Seigneur. Saisit alors
gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclame la parole de Dieu.
type d'action de grâce, elle loue Dieu parce qu'il a jeté ses yeux sur l'abaissement de sa servante. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Et cette déclaration est pour elle une action de grâce. Demandons, Seigneur, comme Marie, de rendre grâce parce qu'il jette son regard sur nous. Dans notre abaissement, dans notre renoncement, dans notre difficulté, certainement, à accepter, à accueillir ce temps. Pourtant, le Seigneur jette son regard sur notre abaissement. Lui qui va choisir aussi de s'abaisser, comme dit saint Paul, de ne pas retenir sa condition divine. Il va retenir sa condition divine, mais ne pas rester dans cette condition, éloigné de nous sans nous rejoindre. Choisit cet abaissement, cette descente. Nous unir au sacrifice du Christ comme on le fait à l'Eucharistie, c'est aussi nous unir là où nous serons comme nous le pourrons à cette offrande du Seigneur, à cet abaissement, par notre abaissement, par notre humiliation, nous pouvons être unis à son sacrifice. Et c'est la plus belle offrande, la plus belle action de grâce que nous puissions. Alors, remercions le Seigneur de venir nous visiter, de venir demeurer chez nous aujourd'hui, de demeurer avec nous, et gardons-le dans notre cœur. Quand nous sentons qu'à nouveau la colère ou le sentiment d'injustice ou de persécution grandit dans notre cœur, ben, posons un acte d'offrande, un petit sacrifice pour nous unir au sacrifice ultime du Seigneur, celui qui nous sauve.
cette offrande soit agréable, Seigneur. Elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin, puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le demandons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur, Père, notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son cœur, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la vie et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de l'homme, pour qu'il nous trouve entièrement vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les anges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous profondons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus,
Proclamons le mystère de la foi. Nous l'avons portant, Seigneur Jésus. Nous vous avons ta résurrection. Nous attendons ton venir dans la gloire. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sang. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés. Humblement, nous te demandons, en aimant ton corps et ton sacrifice, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérard Sébille, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions spécialement pour James sans le nom. Toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chapitre du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
heureux de les inviter au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement ma parole et je suis sauvé et guéri. Le corps du Christ. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Dans ta volonté, accorde ta paix, Seigneur, à ce que tu as rassasié d'un aliment venu du ciel, pour que, gardant nos langues allumées, nous puissions attendre la rencontre avec ton Fils bien-aimé divin, lui qui t'est même dans les siècles des siècles. Amen. Alors, raison pour nous inviter à garder nos lampes allumées, eh bien, soyons assidus à la prière qu'elle nous garde et qu'elle nous tienne dans l'action de grâce qui s'impose. Je vous encourage dans ces deux prochaines semaines à prier. À prendre du temps pour lire sa parole, la parole que le Seigneur nous communique. Tel étant silence, comme nous pouvons le faire à l'instant. On n'a pas besoin d'être nombreux pour vivre en silence, d'aller réfléchir la parole de Dieu et de laisser le Seigneur nous rejoindre dans la réalité de notre cœur. Il y aura les messes de Noël qui seront diffusées en ligne et possibilité de recevoir la communion à l'extérieur pendant l'issue de la communion à la messe en ligne. L'église sera ouverte avec des temps d'adoration aux mêmes horaires que d'habitude. En plus, le jour de Noël, le 25 décembre, il y aura adoration toute l'après-midi jusqu'à 19h. Et puis voilà, restons attentifs aux évolutions de nos communautés, de ce que nous apprendrons dans les prochains jours. Et en tout cas, je vous souhaite de vivre un temps particulier de rencontre du Seigneur dans des manières particulières qui nous sont cette année proposées pour la poser. À l'issue de la messe, on pourra se retrouver pour un café et un temps de louange pour garder justement dans cette attitude d'action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puisse en bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.